Les amis, aujourd'hui je vais faire croire à toute la villa que je suis super malade et que je vais simuler ma propre mort. Et je vais faire cette blague à Diabolo, Souka et The Cheese Nan qui sont actuellement partis au restaurant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé des faux mouchoirs un peu partout. Évidemment, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout malade, mais que j'ai fait ça uniquement dans le but de cette vidéo. Et du coup, ils pensent que depuis ce matin je suis malade, sauf que évidemment on va leur faire une blague. Et pour ça j'ai tout prévu, puisque regardez juste en haut, j'ai commandé des os qui ressemble exactement au mien, c'est-à-dire que le crâne est exactement à la mesure de la mienne, et je pense qu'ils vont tous se faire avoir. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il faut dès maintenant attendre qu'il entre, parce que je vous montre tout de suite un petit extrait. Bon, du coup, on va au restaurant? Ouais, mais on mange quoi, couscous ou tagine? Tagine, ouais, tagine. Bah, en vrai, c'est relou que Twinner il soit pas là ce soir. Bah ouais, c'est relou, mec, je suis malade et tout. J'aurais bien aimé partager mon repas avec lui, genre. Bah ouais. Bon, bah go, hein, c'est parti. Ils sont partis, je crois bien, au restaurant. En attendant, je vais continuer à faire genre d'être extrêmement malade, mais si tu ne l'as pas encore fait, pense évidemment à mettre un gros pouce bleu et abonne-toi tout de suite à cette chaîne YouTube. Bon, voilà, je vous ai montré un petit peu les rushs de caméra d'il y a une heure. Je pense qu'ils vont sûrement pas tarder à arriver, mais on va continuer de faire n'importe quoi. Les mouchoirs, on les plie pour faire genre que je suis malade et tout, et on va mettre évidemment du faux sang. Évidemment, je vous l'ai dit, hein, c'est pas du vrai. Hop là. Comme ça, ils vont clairement croire que je suis malade. Allez, je vais carrément jeter le mouchoir. Voilà, comme ça, ils vont vraiment penser que je suis un peu malade. Ok. Voilà, bon. Là, voilà, je pense que là, c'est pas trop mal. Des petites taches de sang comme si vraiment j'avais toussé et tout. Maintenant, il y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Évidemment, je sens que ce troll va être tellement incroyable. Toute la villa pense que je suis super malade, alors qu'en vrai ah, franchement, je sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont réagir. Regardez ce que je viens de trouver, un t-shirt avec du faux sang. Là du coup c'est pas mal, regardez ça. On dirait pas que je me suis pris des grosses balles et tout dessus. Ok, là je crois que je viens d'entendre un bruit de porte. Vite, il faut que j'aille me mettre dans mon lit. Il faut dès maintenant que je transforme ma tête de gentil en quelqu'un de très malade. Attention, 3, 2, 1. Bon, c'est parti, j'ai trouvé le meilleur médicament pour notre ami Twinner, un sirop pour la toux. J'espère qu'avec ça, il ira mieux. On va clairement faire la potion pour le sauver, parce que là, j'ai l'impression qu'il va vraiment pas très bien du tout, et je commence à avoir peur pour lui. Et oui, les amis, Twinner est malade, c'est pourquoi j'ai récupéré ce médicament. Donc ça, c'est contre la diarrhée, et je pense que ça va être efficace. Oh. Oula, j'ai l'impression qu'il a encore... Il est encore dans le mal, il est en train de tousser. Les gars, faudrait qu'on aille le voir là, parce que là ça va plus. Vas-y, il faut vite qu'on se dépêche de faire l'antidote pour le soigner, parce que là j'ai l'impression que ça part complètement en vrille. Go go. Oh mon Twinner, il est malade, dépêchons-nous. Oh non, il est là, qu'est-ce qui se passe? Oh non. What? Oh, mais... Les amis, ça a vraiment pas l'air de s'arranger. Twinner, ça va mec? Oh, je crois qu'il a vomi du sang. What? Mais c'est quoi toutes ces taches de sang? Je conseillerais de pas trop toucher. Ouais, ouais. On sait pas quelle maladie ça peut être. Ça se trouve, il a vraiment une maladie très rare et qui pourrait peut-être même le tuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il aille mieux à ton avis? Twinner, comment ça va toi? Écoutez les gars, je me sens super malade. En plus, j'ai beaucoup de sang qui sort de ma bouche. Les gars, vous m'avez ramené quelque chose? Peut-être un médicament ou quoi? Bien évidemment mec, on a pensé à toi, on est passé à la pharmacie prendre plein de médicaments. Reste bien confortablement dans ton lit. Nous, on va s'occuper de tout. On va te préparer un antidote qui va te remettre sur pied. L'antidote, il sera contenu à l'intérieur de cette petite fiole. Donc c'est parti, go faire l'antidote. Let's go, je mets déjà une première pilule à l'intérieur. Bon, par contre, faut qu'ils aillent dans la cuisine, parce que sinon je peux pas partir. Les gars, vous voulez pas aller dans la cuisine là pour préparer l'antidote? Je me sens pas bien. Je suis d'accord avec lui. En plus, ça se trouve, il a un virus qui peut nous contaminer. Du coup, je pense qu'il va falloir qu'on sorte. C'est un petit peu comme le Covid. Oui, et en plus, il a énormément besoin de repos. Allez, c'est parti, on part dans la cuisine. Du coup, on va continuer l'antidote. J'avais déjà mis la petite pilule et là, on a plein de trucs. Alors, c'est Souka qui va nous apprendre, parce que lui, il a des remèdes de sa grand-mère. Il va nous apprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. C'est parti, Souka, montre-nous un petit peu. Alors, le remède de grand-mère, c'est très simple. Il faut se munir de poivre ainsi que de sel, un sirop pour la toux et quelques médicaments pour pouvoir faire le meilleur antidote possible. Souka, j'espère que t'es vraiment sûr de ton antidote, parce que si ça fonctionne pas, on risque vraiment d'avoir des problèmes avec Twinner. Je sais pas très bien doser, par contre ce Cheese Nan c'est très très bien dosé. On va le laisser manipuler cet antidote. Et oui les amis, je suis le scientifique, c'est pourquoi j'ai récupéré mes petites lunettes pour les petites précautions. Et ne vous inquiétez pas, vu que je suis un scientifique les amis, je connais les doses bien parfaitement. Moi personnellement, un scientifique en chemin mise à fleurs avec des lunettes de soleil et un chapeau de paille, ça me donnerait pas très confiance, mais écoute, on va faire confiance à Cheese Nan. Mais t'en fais pas Diablo, je m'y connais parfaitement, comme je t'ai dit. Je vais récupérer ce médicament, je vais le mélanger avec du sulfate les amis, et ensuite on va récupérer une petite molécule que je vais déposer directement à l'intérieur, et ensuite il va falloir le faire bouillir, et ensuite les amis, on aura le théorème de Thalès que je vais verser directement dans la bouche à Twinner. T'es sûr plutôt que c'est pas le théorème de Pythagore? Ouah mais mec, t'es trop intelligent mec, stop les, montre-moi comment
comment faire, comme ça je pourrais l'utiliser à chaque fois que je suis malade. J'en ai mal au crâne de ton intelligence. Oh, je comprends plus rien. Allez les mecs, asseyez-vous sur la chaise, moi je vais m'occuper de tout ça. Là les amis, je pense qu'ils sont en train de préparer ma potion pour me soigner. C'est parfait. Regardez-moi ça, j'ai l'os et tout. On va aller le mettre directement dans le jardin. Et ensuite je ferai un petit indice pour qu'ils sachent que je sois dans le jardin. C'est parti les gars, venez, suivez-moi. Par contre, il faut être extrêmement discret parce que les gars, vous les entendez, ils sont dans la cuisine. Allez, c'est parti. Eh les gars, ils sont clairement dans la cuisine. Regardez, ils sont juste là-bas. Oh, c'est bon, j'en ai un petit peu. Ils sont clairement dans la cuisine, suivez-moi. Ok, je sens que le programme va être incroyable. On met tout ça ici. Dans un premier temps, on va tout simplement verser de l'eau dans cette petite fiole. De l'eau chaude, bien évidemment, de préférence. Diabolo a mis un comprimé contre la rhume à l'intérieur déjà. On va mettre un petit peu d'eau. Voilà, super. Alors, on met la tête comme ceci. Je pense que ça peut être pas mal. On met les pieds et puis on met évidemment tout le reste du corps. Donc là, il faut mettre de la fleur de sel. Ah, il a le coup de voilà. Je mets la fleur de sel, j'en mets un petit peu ou pas? Ouais, vas-y. Il faut que tu me dises si c'est vraiment la bonne dose. Dis-moi tout de suite. C'est la bonne dose. Alors oui Diablo, t'as juste à récupérer une petite pincée de sel et t'as juste à le déposer comme ça à l'intérieur du récipient. Ok, je reprends. Hop, c'est bon, j'en mets un petit peu. Voilà. Oh mais Diablo, tu l'as trop bien fait. Je crois qu'à présent il va falloir diluer tout ça. Récupère-moi une cuillère. Mais évidemment, vous vous rappelez, j'avais ce t-shirt pendant la vidéo. Et d'ailleurs même tout à l'heure j'en avais un autre. Mais bon, on va glisser ce t-shirt, c'est parti. Voilà les gars, alors là ils vont clairement croire à ma mort. Et ça va être incroyable. Un petit peu d'acide citrique à l'intérieur de la petite potion. Voilà, voilà. Légèrement. Super. Est-ce qu'il nous reste des choses à faire, Chiznan? Mais attendez les gars, vous êtes sérieux quoi? On a mis que 3 ingrédients, il manque l'ingrédient spécial, le poivre. Ok, je m'en charge, c'est parti. Voilà. Oula. Attends mais Diablo, je crois que t'en as mis trop. Attends, récupère une cuillère et enlève. Ok, j'en ai enlevé un petit peu, ça suffit Chiznan. Ok, là je crois que c'est parfait, allez jette-moi ça. Gâche pas le restant du poivre, mange-le. Oula. Bah oui, effectivement les amis, c'est pas bien le gaspillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rentrer directement dans ma bouche. Allez. On a mis un petit peu de temps à faire cette potion, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Dépêchons-nous. On va aller voir Tounir. Go. Faut vite qu'on se dépêche. Ça se trouve Tounir il va mourir. Allez, dépêchons-nous. Moi je vais me cacher. Il faut que je trouve une cachette derrière l'arbre. Je pense que c'est parfait. Je sais pas où est-ce qu'il est Tounir. Il faut absolument qu'on le retrouve au plus vite pour lui donner l'antidote. Voilà, il est juste ici tout près. Attends, j'essaie de regarder dans l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais non, il y a personne. Oh. Essaye d'aller voir là-bas. Les amis, je suis sûr qu'il est au niveau des transats. Regardez, il n'est absolument pas là. Regardez, il y a absolument personne les gars. Il est où? Vous l'avez trouvé ou pas? Les gars, je crois qu'ils vont pas tarder à trouver mon corps là, ici rapproche beaucoup. Bon, moi, je reste caché, on va voir un petit peu. Mais non, il y a personne. Souka, Diablo, est-ce que vous voyez quelqu'un? Je crois voir quelque chose, mais ça m'a l'air super inquiétant. Je préfère même pas aller voir. Est-ce que Souka, tu vas aller voir à ma place? Parce que là, regarde, juste là-bas, va voir. Je vais y aller pour voir. Je trouve absolument... What? C'est quoi ça? Ce serait pas le t-shirt de Twinner? Mais attendez, c'est de la viande. Mais qu'est-ce que... Mais enlève-moi ça, mais qu'est-ce que tu fais? Non. C'est un crâne. Mais c'est le crâne à qui? Attends, laisse-moi sentir. Les amis, il a la même odeur que Twinner. Attends, je sens Souka. Mais oui, ça sent le Christian Dior. C'est clairement Twinner. Ça voudrait dire qu'il est mort. C'est pas possible, je refuse d'y croire. C'est impossible. On va essayer de mettre l'antidote sur son squelette. Peut-être qu'il va ressusciter, regardez. Ok, bois, s'il te plaît, Twinner, bois. Ok, les gars, bon, là, c'est sûr. Ils ont trouvé mon corps et ils vont essayer de me ressusciter. Sauf que, évidemment, vu que je suis là et déjà tout prêt, ils pourront rien faire. Bref, on va voir ce qu'ils vont faire. Let's go. Bois, s'il te plaît, Twinner. Voilà, oula, oula. Ok, Twinner. Twinner? C'est bon, ouais. T'es de retour. Parle-moi. Twinner, parle-moi, s'il te plaît. Tu peux pas être mort. Pas comme ça. Non, Twinner, mon ami, tu vas me manquer. Oh mec, Twinner, le pauvre. Oh non, les amis, je crois que je vais le garder en souvenir. Oh, je commence à être triste. Mets-le dans ta poche, Oh, ouais, et garde-le dans ta chambre. Ah oui, tu penses? Ouais, je vais le mettre carrément à côté de mon armoire. Ok les amis, je crois qu'ils se mettent un petit peu à pleurer, ça me fait beaucoup de peine. Mais bon, évidemment je peux pas arrêter le troll maintenant. Il faut savoir jusque où ils vont aller. On va continuer de les observer. Oh mais Souka, je viens de penser à un truc. Quoi? Je pense que je vais récupérer sa chaîne YouTube et... Ah non, j'aurai 1 million d'abonnés. On s'en fout de lui. Oh, mec, mais c'était quand même notre copain. Tu t'en fiches ou pas, Diabolo? Moi je suis vraiment très triste, mais j'avoue que son parfum Christian Dior, je le réserve, parce que clairement toutes les filles elles se retournaient vers lui. Maintenant que vous le dites les gars, c'est vrai qu'il avait beaucoup de trucs. Oh, je sais qu'il a beaucoup d'habits de marque. Oh, il a un t-shirt Palmangel que j'aime beaucoup et que j'ai toujours voulu avoir. Je pense qu'il m'irait plutôt bien, ouais. Alors c'est vrai que moi j'ai des vieilles chaussures et je sais que Twinner a des belles paires de TN. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais jeter tout de suite mes chaussures et je vais récupérer cette paire de TN.
ADN. Attendez les gars, mais ça tourne pas du tout comme prévu. Moi je pensais qu'ils allaient être tristes ou essayer de me résister, mais là ils sont clairement en train de profiter. Y'a Diabolo, il veut me voler mon parfum, Souka mon t-shirt et Chizan mes chaussures. Mais what, mais ils sont sérieux les gars. On va continuer de les observer, mais là c'est vraiment bizarre. Bon, moi je suis dans la chambre de Twinner et regardez ce qui m'intéressait, c'est clairement ce coffre-fort. Je viens de l'ouvrir et regarde, Théma, la taille de la Kishta. Oh, attends, on va partager tout ça à trois. Oui, moi aussi je fais un petit coup. Ça c'est ma part. Voilà. Moi j'ai que ça. Attends, j'ai que ça. Attendez, mais les gars, ils sont sérieux. Ils viennent de braquer mon coffre-fort et ils m'ont volé tous mes billets. Non, mais je crois que j'ai les pires amis du monde. C'est pas possible. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est son t-shirt Palmangel. Il est où, les gars? Il me le faut vite. Ouais, c'est le t-shirt Palmangel que je vous ai parlé. Regardez-moi ça, il est trop bien. Il est à moi maintenant. Et là, on a un t-shirt marron Balenciaga incroyable. Mais attends, c'est le mien. Regarde, attends, en plus, c'est la taille L. C'est ma taille. Et moi, j'ai trouvé son parfum Christian Dior. Voilà, let's go. Il est juste ici. Je vais m'en mettre un petit pchit. Et vous allez me dire si je sens bon. Let's go. Attends. Oh, mais mec, tu sens super bon. Mets sur moi. Oh, ouais. Ouais, moi aussi. Oh, je sens exactement la même odeur que Twinner. C'est trop bien. On est trois, Twinner. Ouais, on est super riches. Non, mais les gars, maintenant, ça y est. Ils me volent mes vêtements, mon parfum. Et je crois qu'ils sont vraiment contents de ma mort. Mais comment ça se fait qu'ils se réjouissent de ça? Moi, il y a un truc que j'adore pour compléter ma collection de doudous. C'est ce magnifique petit kiwi qui est tout doux. Oh là là, il est incroyable. Oh, j'aime trop. Contre quoi? Diabolo touche à mon Oogie Woogie, non? Alors là, non, je suis désolé, c'est beaucoup trop. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? What? Oh, Winner! Il y a un fantôme, mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas possible. Eh, mais vous croyez quoi, là? Hein? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez tous mes t-shirts dans vos bras, là, hein? Comment te dire? Ouais, c'est pas du tout ce que tu crois, mec. Ah, on voulait les repasser pour ton retour, mec. Mais oui, effectivement, parce que regarde, ça sent mauvais et du coup je voulais mettre ça dans le lave-linge. Bon, d'accord, très bien, mais Diabolo, pourquoi t'as mon parfum et Oogie Woogie dans ta main, hein? Ça, je veux le savoir aussi. Parce que je voulais te rendre hommage à ton enterrement en sentant super bon comme toi. Et que je voulais me souvenir de toi avec ta peluche Oogie Woogie tout le temps quand je dors, voilà. Non, les gars, vous êtes des gros menteurs. Depuis le début de cette vidéo, moi je vous faisais une blague comme si j'étais mort pour voir votre réaction. Mais là, tout ce que je vois, c'est que vous m'avez tout volé. Désolé Twitter, bon, je m'excuse. Reposez, tout seul. Ni vu, ni connu, mec. On peut oublier tout ça, c'est terminé. Ouais, pour me faire pardonner, tiens, je te passe même mon téléphone. Non, mais c'est pas ton téléphone que je veux. Là, je vois que, hein, c'est bien bizarre. Et vous savez quoi? Je vais chercher quelque chose tout de suite, là, hein. Qu'est-ce que je peux bien prendre? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais tu sais, on peut s'arranger, mec. Tu sais, on peut toujours s'arranger. Ne fais pas ça, s'il te plaît. C'est marrant, puisque c'est un couteau plutôt bien aiguisé et tout. C'est qui a commencé à me voler, là, hein? C'est moi, je te jure. Vous avez 5 secondes pour partir, je vais tous vous attaquer. Bon, en vrai de vrai, je m'attendais quand même un petit peu à cette réaction. Mais si ça vous a plu dans les commentaires, dites-le moi. Et en vrai, c'était quand même une expérience plutôt drôle. Je me doutais bien que vous allez faire des petits trucs comme ça, mais allez, je vous pardonne les gars. Bon, je penserais quand même à changer mon code de coffre-fort maintenant. Mais en tout cas, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un gros pouce bleu. Et dès maintenant, je te propose 2 nouvelles vidéos. Une ici, une juste là, clique dessus. Et je te souhaite un bon visionnage.